Seigneur, que tu commences avec nous parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, et que tu commences avec nous comme l'alpha et au lieu de ce réunion comme Emmanuel à la fin comme l'oméga, et que toutes les pensées que nous aurons à partager, Seigneur, viennent de toi, que ton esprit nous inspire, et Père, afin que nous puissions faire non notre volonté, mais ta volonté. Nous t'appelons cet esprit que tu sois avec nous pendant le début de la fin de cette réunion, et que tu nous inspires, esprit de force, et que tu sois avec nous. Loin de nous, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, et que ta présence et ton règne soient au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je laisse la place au pasteur Marceau qui est parce que nous sommes à Rottingen. C'est l'heure de la prière. Alors il va nous accueillir. Il a dit Monsieur. Amen. 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 Je vous fais cette bosseau, nous amener. Merci. Bonjour, Monsieur le Seigneur. Et là, quand nous avons besoin de la parole, nous avons la personne. La première chose que je veux dire, nous avons 133. 133. Bible, la Bible nous dit ceci. La Bible enseigne aux Allah, les Sangamoko. Il est doué et agréable d'être ensemble. Il y a solo, et j'allais malam. Oui, c'est vrai, c'est bon. Et j'allais et sengo. C'est vraiment joyeux. Ceux qui bandeko, j'allais les Sangamoko. Les frères sont ensemble. Et j'allais loco là, va s'opérer yo malasse na moutou. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron. Ndenge va s'opérer qui yango nganganzambe Aaron. Yango et j'allais qui coquita na mandefu na ye ti. Depuis la barbe de ta. Et comme kotanga ti na mandefu na ye. Ya solo. Jusqu'à son terme. Ceux qui bandeko va j'allais lui sanga moko. C'est vrai si les gens sont ensemble. Et j'ali lokola malili ya kitoko et kiteli bango na ngomba ya shono. Ndenge mai oyo ezalaka na matiti na tongo. Awa bazuteli sabisi likambo ya esengo. Ici on parle de la joie. Soki bandeko bazali lisanga. C'est la fête du joie si les gens sont ensemble. Kozala lisanga boye. Être ensemble bien aimé. Ezali esengo makasi. Vraiment c'est une joie. Surtout pour ezali lisanga ya pamba te. Ce n'est pas une réunion quelconque ou bien une assemblée quelconque. Il y a basali ya nzambe. Mais c'est une assemblée de serviteurs de Dieu. Ezali esengo lisusu makasi pa nzambe. Donc il y a plus de joie. Toi biso oyo nzambe a tu confiance. Parce que nous que Dieu a donné confiance. Pour te soko kabula. Sangomala muna basili. Nous propageons la bonne nouvelle. Yangwana nzamba so benga bisi tuza bisu subato ye sengo makasi. Cela Dieu nous appelle que nous sommes déjà joyeux. Amen, amen. Amen. Nazoko yamba bino ni ye sengo mingi na ndako oyo. Je vous reçois avec toute joie. Et sengo yango ezala kati na biso kati na mitema. Que tout un chacun soit vraiment rempli de joie. Surtout na lisanga oyo tuzali na yango. Surtout dans cette assemblée que nous formons. Nzambe a soutenir biso makasi. Que Dieu puisse nous soutenir. Toyebi vraiment bitumba ezali mingi. Nous savons bien que le combat est permanent. Surtout na masanga oyo ezali ya basali ya nzambe. Dans l'union des serviteurs de Dieu, il y a toujours des combats. Kasi na sepelaka. Mais ce qui me plaît vraiment. Na biso surtout na l'Allemagne. Nous ici en Allemagne. Kusanga na boye atant ke basali ya nzambe. Être ensemble et unis comme ça étant que nous sommes. Pour nous aussi les Sanangai. Donc il y a Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 41 42. Actes 2 Acte 2 41 42 papa. 41 42. Lise la Bible ni. Lise la Bible. Acte 2, 41, 42. Alors, ben,
awa bazoka lisa biso ta munyoso si on nous montre kozala esengo être joyeux awa bible azo bala biso nini si la bible nous dit awa bazo pierre ntazo koloba si c'est pierre qui dit pierre azo kotali sa biso il nous dit ici tango pierre azali koteya quand il prêchait la parole toloba batu babandaki kosangana tous les jours et belé. Les gens étaient toujours réunis ensemble. Balobi ba komi 3000. Ils ont dit qu'ils étaient devenus 3000 personnes. Papa yoka ki maloba ya nzambe parce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu. Maloba ya nzambe wana ezali musale ya nzambe tabalaki kokeya. Cette parole c'est l'homme de Dieu qui prêchait. Donc la biso tozali basale ya nzambe. Quand nous sommes des serviteurs de Dieu. Na kati esengo wana tozali ensemble. Avec cette joie que nous sommes ensemble. Donc on nini sa Allemagne oyo. Amen. On va bouger l'Allemagne. Donc on nini sa Allemagne oyo. Amen. Nous bougerons l'Allemagne. Faites bouger l'Allemagne. Oh. Nous devons bouger l'Allemagne. Quand nous nous rencontrons, dans le même esprit, dans la même joie, Dieu ne nous laissera jamais. Surtout aux alibas salia. Nous sommes ses serviteurs. Dans ce verset 42, j'ai aimé le verset 42. Papa, tu as verset 42, verset 42, le verset 42, 42. Je vais chercher d'abord. Tu peux lire, mon sœur? Je lis la parole de Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Amen. Alléluia. Dans leur union et dans leur prière. Et là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Lorsque Dieu bénisse notre arrivée, tout ce que nous allons faire cette année, que cela aille en avant, et surtout dans l'œuvre que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu nous bénisse? Amen. Amen. Vraiment, on bénit le Seigneur pour tout un chacun de nous. Il y a des signes qui ne s'est pas encore vu depuis le début de l'année. Je vous souhaite encore, malgré le mois de mars, une bonne année, surtout dans vos familles et dans vos ministères. Et le Seigneur vous bénisse. Et nous bénissons aussi la présence. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Le roi des nations, dit-il, domine leur peuple. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler le bienfaiteur. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. Amen. Ici, c'était à quelques jours de savoir si la croix. Il est plutôt choquant de voir les disciples discuter la position pour la grandeur. Ils cherchaient qui était le plus grand. Et c'était à ce moment-là que Jésus-Christ intervient, leur dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit au contraire le plus jeune. Et celui qui gouverne soit comme le serviteur. Voilà. Les disciples discutaient tout simplement entre eux pour savoir qui était estimé le plus grand. Chacun avait son ambition, malgré qu'il s'était mal placé. Mais Jésus-Christ, pour lui, c'était une grande souffrance. Parce qu'à ce moment-là, il devait passer à la croix. À ce moment-là, Jésus-Christ devait mourir. Mais tout un chacun s'en occupait de sa position. Tout un chacun voulait voir qui était le plus grand, qui va remplacer Jésus-Christ. Et parfois aussi, en nous, il y a des choses pareilles qui pouvaient bien passer, à savoir qui est le plus grand parmi nous. Alors,
Je dirais que s'il y a quelqu'un qui est plus grand parmi nous, il doit être quelqu'un qui est Christ. Amen. Donc notre position en Christ, c'est ça qui détermine notre vraie grandeur. Il n'est pas question des études, ou bien de formation, ou bien de position, je ne sais pas quoi, mais il est question d'esprit et de cœur. La façon dont on va servir le Seigneur, la façon dont on va exercer notre ministère dans nos assemblées. C'est ça vraiment la grandeur. Ce n'est pas parce que j'ai commencé depuis longtemps à servir le Seigneur ou bien j'ai beaucoup d'années dans le ministère. Ce n'est pas ça. Je le répète en disant que la grandeur dans notre ministère, la grandeur en Christ, il est question d'esprit et de cœur, la façon dont on va vraiment servir le Seigneur. Que nous soyons vraiment des hommes humbles de cœur et que notre désir de servir les hommes et que nous puissions vraiment accomplir la volonté de notre Dieu. La vraie grandeur n'est pas question, comme je l'ai dit et je le répète, des fonctions, des positions, des postes de direction, ni question de pouvoir, pas même d'influence, ni diplôme, pas même de compétences ou de réputation. Mais, je le répète, il est question du cœur. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez plus comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits-enfants sera le plus grand dans le royaume du ciel. Voilà. C'est ça, ce que le Seigneur veut. Que nous soyons vraiment ceux qui servent le Seigneur. Et c'est ça qui va remarquer la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Quand nous voyons tous les gens qui ont passé dans la Bible, on voyait leur grandeur, leur puissance d'esprit et de cœur, la façon dont ils servaient le Seigneur. C'est ça aussi que le Seigneur veut, vraiment pour ce beau moment, pour ce temps des milléniaux, nous avons vraiment besoin d'avoir la crainte, l'humilité de servir notre Dieu. Amen. Amen. Que ce soit vraiment une idée pour nous avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alors nous avançons et nous allons vraiment très vite. J'ai passé le mot au... Ok. Amen. Amen. La Bible nous dit deux bons mécanismes. Il y a l'apôtre Victor qui est arrivé et il est notre président d'honneur. C'est notre conseiller aussi. Alors, on l'accueille au nom de Jésus-Christ et nous allons aussi prier pour les messages et pour ceux qui sont venus après. Tendre bon Père, Dieu Tout-Puissant, voilà encore ce bon moment, bon temps. Jésus-Christ, nous élevons ton Saint-Nom et nous te disons merci pour la volonté, l'amour de tes serviteurs qui se sont déplacés malgré leurs multiples occupations. Merci pour leur présence et tous ces moments que nous allons rester ensemble sur ta gloire et que ce soit aussi un bon moment béni pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, je prie aussi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Et on passe très vite pour savoir pourquoi on est là, pourquoi l'ICDI, c'est-à-dire l'association l'Union, pardon, des serviteurs dédiés pour l'impact de l'Évangile. Alors, je passe le mot au vice-président. Il va essayer de nous expliquer seulement en quelques mots. Et après, on va recevoir le rapport de notre secrétaire général qui va nous dire qu'est-ce qui est déjà qu'on a réalisé. Et après, on entre dans notre ordre du jour. Ok, merci beaucoup la parole. Donc, si je vais parler, je parle. Tout simplement parler de notre vision de l'Union pour le Sacré de Dieu, Baden-Württemberg. L'idée en un mot, je n'ai pas beaucoup parlé, je crois que les gens qui ont déjà notre règlement derrière, c'est déjà à l'intérieur, c'est déjà écrit. Donc en un mot, ça se résume comme ça. Notre vision est basée sur le réveil et l'impact de l'Évangile dans notre région. Pour atteindre le but de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans Luc 4, 18 à 19. Vous savez,
Jésus, c'est moi, et il m'a envoyé pour proclamer une bonne nouvelle, pour rendre libre les opprimés. Donc, pour atteindre le but que le Seigneur avait, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes unis pour que les réveils réels soient dans notre région et l'impact, c'est-à-dire, ce soit plus palpable, donc l'évangile de Jésus, dans notre contrée. Ceci est dit dans notre contrée, c'est-à-dire aussi dans nos églises et qu'on soit. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas aller loin, ceux qui n'ont pas de réunion intérieure, on pourra les donner pour lire bien votre vision. Amen. Amen. Ok, vraiment c'est ça, le bien-aimé, c'est pas aussi l'idée de l'écuménisme, c'est-à-dire toutes les doctrines confondues ensemble. Donc, nous avons une seule doctrine de Christ. Donc, nous tous, des mêmes accords, nous servons le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons que dans nos églises aussi, que Jésus-Christ soit toujours élevé, soit enseigné, et que le Saint-Esprit soit aussi au contrôle de toutes choses. Amen. Alors, je laisse la place au secrétaire et on va commencer notre réunion et après on va entrer dans la séance plénière. C'est-à-dire, on ne va pas seulement laisser à nous de parler, mais nous laissons la place aussi à toute personne qui veut parler parce que c'est le début de l'année en quelque sorte et nous voulons vraiment solidifier les choses et nous voulons aller vraiment très très loin avec le Seigneur. Je passe le mot au secrétaire général. Merci, monsieur le président. Je vous donne lecture du rapport d'activité de la pastorale, tout ce qui concerne l'année 2017. Donc, suite à leur nomination à la tête de l'association le 18 février 2017, le président, son vice, travaillé à la mise sur pied d'un comité exécutif. C'est ainsi que le samedi 1er juillet 2017, une première réunion a regroupé les premiers membres cooptés pour devant siéger dans le comité. J'étais présent, outre le président et son vice, le pasteur David Coco, le frère Emilio Adelin et Maxime. Cette réunion avait pour ordre du jour la constitution du comité exécutif, les projets. Ainsi, suite aux discussions, les causes suivantes ont été posées. Le cours du secrétaire général, du vice-secrétaire et du deux conseillers. Par la même occasion, la réunion a mis en place un comité organisationnel dont l'attribut essentiel sera l'organisation et la supervision des activités de l'association. Il est composé comme suit, le parrain du comité organisationnel, un responsable à l'organisation, un responsable des finances, un responsable de la jeunesse, un responsable chargé des relations extérieures et une responsable des mamans et des femmes. La réunion a par ailleurs décidé de réfléchir à la constitution du groupe des hommes. Concernant le projet, la réunion avait choisi la date du 30 septembre 2017 en vue de la présentation des comités exécutifs et organisationnels à l'Assemblée générale et d'organiser une conférence des femmes le 8 ou le 2 décembre 2017. Pour renforcer la cohésion du nouveau comité exécutif, compléter l'effectif, une nouvelle réunion s'est tenue à Blanderen le samedi 5 août 2017. Au cours de cette réunion, il y a une question des projets de la mandature et d'autres divers ont eu des discussions. La troisième réunion du comité exécutif s'est tenue le 16 septembre 2017 à Meltingen. Cette rencontre a permis d'établir et de préparer le programme de la grande journée de prière du 30 septembre 2017, dont l'objectif est de présenter à l'Assemblée générale le comité exécutif et organisationnel. Cette rencontre a également permis
de régler les détails liés aux cotisations et au financement des activités de l'association. Le samedi 30 septembre était consacré à la présentation des deux comités à l'Assemblée générale des membres. Cette rencontre a regroupé l'ensemble des serviteurs de Dieu, membres de la pastorale de la région de Baden-Württemberg à Nürtingen. Elle a été l'occasion de consacrer les nouveaux membres du comité au Seigneur et de présenter l'agenda 2017 pour l'Assemblée générale. La rencontre était également une occasion de célébration ponctuée de séquences de louanges, d'adoration, de messages et de prières. Le samedi 2 décembre 2017, la femme chrétienne pour l'impact de l'évangile dans l'état de Baden-Württemberg sous l'égide de la pastorale ont organisé à Ulm une conférence dénommée Journée de célébration dont le thème est Femme pour l'impact de l'évangile dans Baden-Württemberg. Cette rencontre a regroupé, outre les fidèles de l'église Ulm, les membres des comités et toutes les femmes de l'association. Ce fut un grand moment de communion, de louange, d'adoration et de prière. Le point d'ordre de la rencontre a été le message délivré par Maman Valentine. Elle a axé le message sur le rôle de la femme dans l'œuvre de l'évangélisation. Selon elle, Dieu a mis du potentiel à la femme pour impacter l'œuvre d'évangélisation au niveau de notre région. Donc, à demain, à tout fin, par la présentation de l'agenda 2018. Voilà, on ramassait le rapport d'activité de la pastorale en ce qui concerne l'année 2017. Amen. Amen. Voilà, comme j'avais dit qu'on ne va pas laisser la monopole à nous seulement, mais nous voulons aussi que chacun de nous puisse parler. Voilà, et s'il y a quelque chose, signe de rapport, je ne sais pas, quand on fait, on passe à autre chose pour aller de plus vite. Je crois que tout un chacun de nous a assis la table à un autre du jour. Donc, dans l'ordre du jour, à l'Assemblée générale, ça a eu lieu le... C'était le quoi? C'était le 20 janvier. Le 20 janvier, à l'église de Bethel. Et c'est par là qu'on a essayé d'établir cet ensemble, c'est le 9 juin. Et on a aussi proposé, entre nous les serviteurs et les collaborateurs, d'avoir un retraite. On va discuter, on va choisir aussi la place. Et il y a l'évangélisation, il y a la jeunesse, il y a le département masculin, il y a aussi le groupe musical. Et tous ces postes-là, il y a encore des postes vacants. Et nous allons encore parler pour les finances, la cotisation mensuelle qui s'élève à 20 euros. Et le duvet. Et nous allons essayer aussi de faire reconnaître au niveau de l'État notre statut et que notre organisation soit reconnue. Et on va essayer de faire le nouveau. On va voir ça. Et s'il y a quelque chose à modifier, on va le modifier. Il y a aussi des affiches d'adhésion. Il y a quelques serviteurs qui ont déjà réuni au secrétaire, mais il y en a encore des affiches vides, on va les distribuer, les secrétaires, vous pouvez déjà le faire, à ceux qui n'en ont pas. Donc, on avait envoyé des lettres, il y a personne qui a répondu pour les affiches, il y a seulement 5 personnes qui ont répondu. Qui n'a pas de statut. Tout le monde a vu. Il y a. Vous avez vous envoyer. Vous allez vous envoyer. Ah, ok. Ça va.
dates-là qu'on a prévues pour notre conférence, que ce soit aussi cette conférence de Louzou. Alors, nous voulons profiter aussi, comme nous voulons faire reconnaître notre statut, donc on va tout simplement voir cette statue-là de Louzou pour mettre en région. Je ne sais pas si on va faire une autre statue. Mais c'est bon, on prend le statut des églises. Là, voilà. Ok. Là, j'ai essayé de gagner plus vite. Voilà. Nous voulons discuter pour cette date-là. Que ce soit seulement notre conférence ou bien que ce soit mixé avec la conférence des Guinéens, c'est-à-dire pastoral national. Merci. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Vice-président. Est-ce que j'ai bien essayé de citer ce que vous avez dit? Donc, nous sommes ISDI, c'est notre association ici, donc il y a le secteur de Baden-Württemberg. Et au niveau de l'Allemagne, hein, toute l'Allemagne, il y a une association qu'on appelle l'USO, c'est-à-dire l'USO francophone, hein, c'est-à-dire les gens qui parlent portugais et les francophones. Hein. Et bon, on avait en parlé par comment on devait collaborer avec eux. Et nous avons décidé de pas de collaborer. On adhère comme association, mais on collabore ensemble. C'est-à-dire nous sommes à part. Hein? Donc maintenant, donc nous travaillons ensemble en fait. Maintenant, ils ont proposé, ils ont arrêté, peut-être dans leur réunion là-bas, agenda, de faire une conférence à chaque région. C'est-à-dire Baden-Württemberg, Bayern, et ainsi de suite. Hein? Donc ils avaient proposé aussi pour nous ici. Et ça arrive que nous avons eu déjà une date qu'on avait proposée dans notre agenda 2018, on aura une conférence pour nous ici. Hein, pour nous ici. Et maintenant, ils ont proposé encore de venir faire ici. Alors, c'est nous qui devons organiser. Est-ce que la question est celle-ci? Est-ce que qu'on fusion les deux ensemble ou bien qu'on fasse ça séparément? Donc, si on fait, on sépare ça, ça doit faire deux. Mm-hmm. Et les deux, la charge va revenir à nous-mêmes. Mm-hmm. Ici. Ça, c'est, on appelle ça comme une charge, quoi. Une charge. Donc, une surcharge, quoi. Quand on mélange les lusophones à l'ISDI. Donc, la charge va revenir seulement à nous. Là, on a seulement une charge, mais quel serait maintenant notre avantage sur cette conférence qui se fera ici pour l'impact de notre mission ici à Baden-Württemberg? Très bonne question. Okay, je vais un peu bien expliquer ce que le passé. D'abord, je m'excuse pour le retard, j'avais annoncé au président que je vais arriver à. J'aurai un retard d'une heure parce qu'il y avait déjà une réunion des secteurs chez moi qui était déjà projetée depuis longtemps. Je me suis sacrifié de pouvoir d'abord terminer avec eux, puis je suis venu. Ce qui est très important, c'est qu'au même moment où nous essayons de bien expliquer la vision de notre association ici régionale, ISDI, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent, après ils ne viennent plus, ils reviennent, c'est aussi, nous avons aussi en même temps la charge, je pense que je vais encore une fois bien expliquer au comité, de pouvoir aussi bien expliquer cette vision de la pastorale d'Allemagne, historiquement et puis du point de vue des avantages.
cette association ici, ici, c'est la plus vieille des associations en Allemagne. Et cela n'échappe pas à vos idées. Nous sommes le premier à pouvoir asseoir ici en Allemagne une association qui a pu fonctionner et aussi poursuivre cette vision jusqu'à présent. Le philosophe francophone était aussi une idée qui est venue après, quand ils ont constaté que dans les différents coins de l'Allemagne, différents États, il y avait souvent des regroupements qui se faisaient, par exemple à Aachen, il y a aussi l'association des hommes de Dieu de Aachen qui s'est réunie souvent en forme. Et puis il y avait souvent les gens qui se réunissaient vers les autres familles. Et à ce moment-là, il y avait l'apôtre Martin qui a consulté l'apôtre Nestor, qui a consulté le passé d'Ego, que au lieu que nous laissons des choses comme ça ici en Allemagne, voyant que dans chaque coin d'Allemagne, les gens se débattent eux-mêmes, il est vraiment important que nous puissions avoir une institution qui pourra fonctionner au niveau national et collaborant avec toutes les associations existantes et encore promouvoir d'autres régions où il n'y a rien de ce qui se passe pour promouvoir l'évangile. Et comme j'étais à cette époque-là très très occupé avec la mission en Afrique et ici, nous avons appuyé, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'y introduire. Donc l'association des autres francophones a commencé à fonctionner et par leur souci pour atteindre la vision de pouvoir travailler avec toutes les langues, toutes les régions. Donc, dans le statut de l'association des autres francophones, il est bien mentionné que cette institution travaille avec tous les cercles de Dieu au niveau de l'Allemagne et aussi avec tous les associations existantes qui désirent collaborer avec elles, donc la pastorale. Parce que la vision, nous voyons tous, nous avons presque la même mission de pouvoir amener l'évangile et faire bâtir le royaume et puis faire progresser l'œuvre de Dieu. Alors donc, il y a une confusion qui s'est faite au moment où il voulait, et là, au niveau des et aussi pouvoir établir des responsables, des représentants régionaux. C'est-à-dire, comment ils pouvaient travailler avec les régions quand il n'y a pas de représentation au niveau régional. C'est là où ils ont proposé chez nous ici, il y avait le passé, pas jamais qui avait été proposé, il y avait le passé d'Ali. Et à cette époque, nous aussi, nous avions notre déjà association qui était en place. Et quand ils sont revenus de la réunion, ils ont dit, mais là, nous risquons d'entrer en confusion. Et comment nous pouvons avoir ici, il y a le président, il y a aussi le président au niveau national, et puis c'est notre président. Et nous nous sommes concertés dans l'équipe dirigeante qui existe à l'époque. Nous avons harmonisé les choses. Nous avons dit que oui, nous avons apprécié cette vision. Et qu'est-ce que nous allons faire? Donc nous allons faire ceci. Le président qui sera toujours en exercice ici, dans les régions, parce qu'il y a d'autres régions qui n'ont pas d'association, par exemple chez nous aussi, le président qui sera en exercice sera automatiquement le président de l'association. Au même moment aussi, il va aussi représenter la région au niveau national. Cela veut dire que comme le papa Jabé, le président de l'association ici, donc au niveau national, il est aussi considéré automatiquement le représentant de la région de Bade-Württemberg au niveau de la pastorale d'Allemagne. Donc, cela implique qu'il doit participer dans la réunion, il doit comprendre la vision, et aussi, quand il y a des propositions, quand il y a des choses qui doivent se faire ici, nous les faisons en collaboration, toujours de manière à ce qu'il y ait cohésion et bonne marche. C'est là où nous sommes. Nous avons fonctionné depuis l'État, toujours avec cette même idée,
quand j'étais encore président. D'ailleurs, c'est grâce à cette bonne harmonisation que nous avons pu organiser. Ils ont vu que dans notre région, nous sommes plus organisés, plus cohérents, et nous avons cette capacité de pouvoir organiser des choses de grande envergure. Donc, nous avons eu le privilège, dans l'année 2015, je crois bien, 14-15, et nous avons eu le privilège d'être les organisateurs de la pastorale internationale, qui était nationale et internationale, au sein de l'Église, dans le compartiment des pasteurs Bethel, donc, et nous étions comme les organisateurs ensemble avec la pastorale. Ça a réussi. Suite à cette réussite, ils n'ont pas voulu changer la région parce que l'impact a été tellement important. D'ailleurs, grâce à cette réussite, que au niveau de l'Allemagne, ils ont, au niveau de l'Europe, ils ont réussi encore à créer cette institution pastorale au niveau de l'Europe, qui existait déjà représentée au Parlement européen en Belgique, qui réunit les présidents des pastorales des pays européens. À cette grâce, 2006, ils nous ont encore proposé de pouvoir organiser la même conférence chez moi à Wallenstadt. 2016. Voilà. Donc, Dieu aussi nous a bénis et l'impact a été tellement très bon. Et ensuite, maintenant, le mandat du pasteur de l'apôtre Nestor terminé, parce que là aussi, on suit les principes du mandat, 2 ans renouvelables. Notre règlement d'ordre intérieur, nous nous sommes inspirés aussi par le règlement d'ordre intérieur au niveau national. C'est tellement important que nous sachions cela. Nous avons seulement ajusté certaines choses qui ne concernaient que nous-mêmes ici. Alors, donc comme nous savons, à chaque moment qu'il y a un nouveau président, chaque président qui arrive, il a aussi une vision, il a un message, il a aussi une stratégie, et surtout là, au niveau de la pastorale, quand un président termine ce mandat, il va composer aussi son bureau, comme cela aussi est le cas chez nous là. Donc le passé qui est venu maintenant, c'est le passé Bansi. Mais selon ce que le Seigneur lui a inspiré, c'est donc moins asseoir l'Église. Donc il a le message qu'on appelle l'ecclésiologie. Parler un peu des choses qui concernent sur l'Église, les petites choses qu'on n'arrive pas à régler, peut-être seulement en voyant les grandes organisations, les grandes activités. Et lui, il vient avec le message d'asseoir vraiment l'ecclésiologie, où les pasteurs peuvent partager les choses sur l'Église, le membre, tout. Et grâce à cela, il avait organisé la fois passée une retraite que nous avons participé. Nous avons invité les hommes d'Église. C'était comme ça. Comme ça, nous avons loué. D'ailleurs, j'avais parlé au président que c'est vraiment une ouverture pour nous de pouvoir aussi s'inspirer de cette manière. Parce que quand les choses avancent, nous en profitons. Et dans ce retraite, nous avons invité les hommes de Dieu. Et là, nous avons pu comprendre que même si nous avons la vision de pouvoir organiser des grandes choses, mais il y a encore certaines choses que nous devons régler lorsque nous, les hommes de Dieu, nous nous réunissons. Donc, c'était vraiment très très bien la retraite que nous avons passée. Et pour cette année, voilà, le pasteur a été là le président. On nous a présenté l'agenda de l'année, la vision à poursuivre. Alors, ils ont proposé, dans la réunion que nous étions, j'ai profité parce que quand on va débattre sur la conférence, si on a déjà la lumière de toutes ces choses, c'est vraiment très avantageux. Il n'y a que moi qui peux expliquer cela parce que moi, je suis le vice-président à Louzo. Voilà, Louzo. Vous êtes témoin quand j'ai demandé aussi que nous puissions changer. Il y a encore notre président qui puisse se présenter. C'était en raison, parce que j'étais beaucoup sollicité, que je travaille aussi au niveau national. Donc je suis le premier vice-président qui travaille avec le pasteur Roger Bansi. Alors, selon la vision et les choses qu'ils nous ont présentées,
vu l'impact aussi de la retraite que nous avons eu, parce que c'était la présentation de la vision, il a proposé aux présidents régionaux que nous puissions présenter les difficultés, chaque région, chaque association. Nous étions là avec le président. Il a consulté les présidents dans cette réunion pour que nous puissions parler un peu des difficultés, le manque, ce qui manque, les visions qu'on poursuit ici, comment on fait les choses. Et nous avons découvert qu'il y a des régions où les besoins concernent les réconciliations des hommes de Dieu, il y a d'autres régions, et ils ont besoin de réveil spirituel, donc les églises sont là, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui marche. Et ils n'ont jamais organisé des grandes actions, par exemple là. Et puis, chez nous ici, nous avons aussi présenté notre champ de bataille. Et nous avons dit que bon, nous nous réunissons, nous organisons des actions, mais nous avons beaucoup des hommes dédiés aussi, jusqu'à présent, qui n'ont pas encore manifesté vraiment leur désir de pouvoir s'intégrer et être là. Il y a tantôt ceux qui viennent, tantôt ils ne viennent pas. Nous essayons de faire le travail. S'il y a moyen de nous aider de ce côté-là, peut-être vous serez le bienvenu pour venir aussi nous épauler à ce que nous faisons. Voilà. Donc, la vision de l'action maintenant qu'ils ont proposé, c'est mieux que je le présente. Et puis ici, il sera aussi indispensable pour le comité de nous donner aussi la vision, les choses, les objectifs que nous voulons atteindre sur la conférence que nous avons. Je pense que ça va aider tout le monde de comprendre maintenant qu'est-ce que nous allons balancer et comment nous allons classifier les choses. Parce que la seule chose qui peut nous aider, c'est de comprendre les objectifs à atteindre. Voilà. Donc là, le président a dit ceci. Notre grande difficulté, c'est de faire déplacer les hommes de Dieu dans des grandes actions pastoraux. Par exemple, si aujourd'hui on disait, il y a une grande conférence qui va s'organiser à Francfort. Ils ont besoin de nous tous, nous les pasteurs, les collaborateurs. Vous verrez que je suis sincère, des seulement ou trois qui vont se présenter. Parce que jusqu'à présent, la première difficulté que nous avons ici en Allemagne, les pasteurs n'ont pas encore appris à se dépenser pour leur progrès effectif. Excusez-moi de le dire, nous les pasteurs, nous nous dépensons très peu pour le progrès de nos ministères ou de nos appels respectifs. C'est ce qui fait que, jusque-là, quand nous parlons de l'impact de l'Évangile, nous donnons nous-mêmes une limitation et vous allez voir que les absences que les pasteurs manifestent souvent dans les actions, c'est souvent lié que parfois il y a pas cette idée-là de se dépenser. Et quand l'Église ne veut pas supporter, bon, j'ai beaucoup de charges pour ça. Mais je pense que avec le peu que nous puissions déjà, que nous arrivons à faire, nous arriverons à un moment où nous n'allons pas nous limiter seulement au niveau des régions et d'atteindre les choses qui doit aussi amener notre vision très grande. Donc là, le pasteur et le président ont dit que c'est mieux, même si ces réunions ne seront pas des réunions très impactantes, mais du moins que nous arrivons à réunir les hommes de Dieu et les collaborateurs, soit dans une retraite, soit dans une action. C'est là notre objectif. Quand nous organisons nos conférences, ce n'est pas la masse. Mais notre but, c'est que l'association est bien définie, association des hommes de Dieu. Nous invitons parfois les églises parce qu'il y a un message qui sera prêché où nos collaborateurs, nos membres peuvent encore être édifiés. Mais l'objectif principal, c'est notre participation, c'est notre progrès. Donc voilà le but qui leur ont poussé de faire un peu des actions dans les régions parce que auparavant, on le faisait, on va organiser à Wallstadt, on appelle toute l'Allemagne, et puis vous verrez qu'une conférence nationale, et quand vous allez voir la participation, vous dites, mais le monde national, là, n'arrive pas à répondre à l'effectif, parce que les hommes de Dieu se déplacent difficilement. Donc,
Le but, c'est dans le cadre d'ecclésiologie. Il y a un message qu'ils veulent faire passer, le message de l'Église. Quand on voit le message de l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude sur l'Église, nous retrouvons que toutes les difficultés que nous avons dans les assemblées, dans les ministères, c'est situé au niveau de ces messages globaux. Alors, il y a des églises qui ont des problèmes de structure, il y a des églises qui ont des problèmes des hommes de Dieu qui ont des difficultés, peut-être encore au niveau de leurs églises, de pouvoir se faire reconnaître comme étant homme de Dieu, le respect, ou bien il y a aussi des hommes de Dieu où les églises tannent, n'arrivent pas vraiment à action sur action, mais les choses n'arrivent pas à marcher. Alors donc, au cours de ces conférences, le président a la charge de bien spécifier les besoins ou les objectifs qui doivent être atteints dans cette conférence. Donc, ils ne viennent pas imposer, mais ils viennent au moins de pouvoir apporter les implices sur le travail qui se font dans les associations, bien dans la région. Voilà donc l'objectif. Le message est centré sur l'Église. Et chez nous ici, la charge menée est au niveau du comité qui vient aussi de poser le problème de savoir comment nous allons faire. Voilà. Donc moi, c'était ça que je voulais apporter. Voilà, que vous soyez vraiment éclairé. Ok. Et je crois dans vos discours d'investiture, j'avais bien dit qu'on a besoin aussi d'atteindre d'autres pastors qui s'abstiennent encore. Et nous voulons vraiment promouvoir les jeunes et que les jeunes impactent parce que nous vieillissons. Hein, prochainement, ça sera notre départ. Ce sont eux qui vont remplacer et continuer l'Église. Alors nous voulons vraiment une jeunesse qui connaît le Seigneur, qui sert bien le Seigneur dans la crainte et dans l'obéissance. Et nous avons aussi bougé les mamans, et je crois que les mamans sont en route. Les activités marchent déjà, ils ont un programme là riche pour cette année. Et c'est pourquoi nous avons aussi proposé qu'il y ait un département des hommes. On ne veut pas appeler l'organisation des papas, mais des hommes. Et c'est pourquoi on a donné cette responsabilité à notre pasteur Okmo. Je crois s'il a quelque chose, il va nous dire après. Donc, c'est ça vraiment notre but. Nous ne voulons pas rester toujours comme on l'était, mais je crois qu'il y a des choses qui changent. Et on avait notre réunion exécutive, et les pasteurs qui sont dans le comité étaient tous présents. Et aujourd'hui encore, il y a vous qui êtes là, donc il y a déjà une motivation, il y a une avance déjà des serviteurs de Dieu qui se présentent. Il est vrai qu'il y a encore quelques absences, mais nous n'allons pas lâcher les mains. Nous allons essayer toujours de les solliciter. Et comme l'apôtre Victor a dit à la région, à l'Assemblée nationale, que le pastorat, par exemple, de la région n'apporte rien, absolument rien aux églises. Mais nous voulons quand même faire cette plateforme d'être ensemble, de discuter, de prier et de voir aussi nos difficultés dans nos églises, qu'est-ce qu'on va faire et comment on doit vraiment impacter notre région. Donc nous avons vraiment besoin de tout un chacun de nous. Voilà. Si par exemple tout un chacun pouvait bien rester chez lui, faire son œuvre, on peut bien le faire. Mais la Bible nous dit, et Jésus-Christ a prié pour lui. Il a prié pour que nous puissions être ensemble. Si l'Église est ensemble, moi j'ai dit souvent qu'on peut provoquer le retour de Jésus. Mais tellement l'Église se divise de jour au jour et ça fait tarder le retour de Jésus-Christ. Voilà. Alors essayons vraiment, mes bien-aimés, d'être des porte-parole au pouvoir de ceux qui sont encore réticents et ceux qui bloquent, qui freinent encore. Donc, on n'empêche personne. On veut que celui qui est appelé, qui veut servir le Seigneur, qu'il les serve, mais nous voulons faire ce bloc pour que
nous puissions mettre aussi les choses en ordre. Voilà. C'est pourquoi nous voulons un peu essayer de faire cette distinction, ce que l'apôtre a dit pour la région et ce qui concerne national. Alors, moi j'ai voulu qu'on adopte seulement cette date-là. Alors, si c'est possible, est-ce qu'on peut avoir deux dates? Mais si c'est deux dates, comme le vice-président a dit, c'est une charge, comme aussi l'évangéliste a dit. C'est une charge aussi. Est-ce qu'on peut fusionner ou bien laisser seulement que ça soit pour national, et, mais c'est nous qui organisons. On avance le passé. Quand on est dans nos églises, on laisse les paroles aux membres, on les dit parler, parler. Maintenant, c'est à nous. Bon, moi, je prends la parole. Je me dis d'abord pour les retards, parce que d'abord, j'ai peur de mourir avant. Donc, l'image, parce que j'ai pas dit peur, j'ai fait une erreur qui devait m'écouter la vie. Mais Dieu est toujours bon, que rien ne s'est passé, et alors rien ne s'est passé. Je bénis l'Éternel. En venant aussi, si là, je trouve encore accident, ça m'a rappelé en tant qu'humain. Alors, là au Seigneur, j'ai tourné et puis je suis venu ici un peu en retard, mais j'aime bien le terrain. Que Dieu soit loué. Et ma question, elle serait, ce n'est pas une question, mais je pense que la fusion de cette date à une seule date porterait un avantage financier au point de vue de la région bien, de la région de notre association. Là, on saura qu'il est dépensé une seule fois. Ce serait peut-être aussi bien pour nos proches aussi, sachant que nous ne dépendons pas des églises, mais comme la bonne veine nous dit, souvent les hommes de Dieu aussi ont du mal à faire sortir. Quand nous faisons seulement sortir une seule fois, je pense que c'est un avantage aussi pour nos proches. Ça, c'est la vie de l'évangéliste et Félix. On avance parce qu'il y a monsieur qui vient de nous. Oui, j'aimerais aussi dire quelque chose concernant. Bon, c'est bon aussi à ce qu'on puisse le faire une fois pour de bon sur cette date. Mais moi, ce que je pense, il allait de ville en ville, de village en village. Il se déplaçait. Donc, nous aussi, notre devoir, c'est de se déplacer. Parce que quand Jésus se déplaçait, il se déplaçait avec ses apôtres et tout cela. Donc, et nous aussi, notre devoir, c'est de se déplacer. Si on unit l'association de Baden-Württemberg et le SDI et on choisit, on prend cette date, ce n'est pas mal. Même moi, j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour nous, pour la maison d'abord. Et après, on va penser pour le dehors. D'abord, faisons pour notre maison et on va sortir après. Si on a appris quelque chose de notre maison, donc on va apporter cela au dehors. Les gens verront quelque chose qu'on a appris à la maison, les gens le verront dehors. Mais si nous, on n'a rien après de notre maison, qu'est-ce qu'on va apporter aux autres? Ok, ça c'est la vie du pasteur de Loclo. Voilà, on avance. On est entré de Loclo. Mais c'est en même temps pour se poser des questions, de dire nous avons commencé une œuvre. Je pense que l'apôtre Victor aussi a dit ça. Et c'est fait qu'au même moment où nous essayons d'asseoir notre vision ici, et bon, c'est là que nous sommes. C'est là que nous sommes, nous voulons être stables, nous voulons asseoir notre vision ici. Je vois que les choses marchent déjà. Et pour moi, je pense qu'on pourrait d'abord consolider ce que nous avons, parce que maintenant on dit que maman, ça marche. Mais c'est à peine. Et encore alors, ça va concerner l'église à quoi? Parce que notre besoin, c'est l'unité de ça.
quand nous organisons ici, je pense que pour nous, ça devait concerner aussi notre progression au niveau des églises, hein, ce qu'on fait maintenant là. Hein. Et c'est pour les serviteurs de Dieu comme au niveau de l'église, c'est-à-dire nous autres. Moi, je pense que, pour dire un mot, petite réglée, quand vous parlez de l'harmonie, est-ce que le pasteur, j'avais tant que le paysan ici, ne veut pas être entré en harmonie avec les pasteurs des lusophones afin que dans cette même conférence, il y ait quand même un parallélisme dans leur discours et dans leur conférence afin que. Parce qu'il y a une parole que le Christ a unie, les prophètes chez lui, et ça s'opère beaucoup dans nos églises aussi, ces versets-là. Et si une autre personne venant de nous aussi parle de la vision, comment, à propos de ce que le dirigeant, notre paysan, j'avais, va lui proposer que nous sommes dans ce titre-là, essayer de nous aider aussi à commander selon ce que l'Esprit donne à chacun de nous à faire valoir. Je comprends ce que tu dis. Ben, on a tout expliqué ici. Ça veut dire, lui, il vient, il va prendre sa vision, la vision de nous. Ah, c'est un problème. Non, il ne vient pas préserver. La vision, c'est déjà préservé. Oui. Il vient. Ils ont un maintenant, on sait que le pasteur déjà, il avait corrigé. Ouais, okay. Le problème, dans notre conférence ici, est-ce que nous allons présenter la vision? Non. Nous n'organisons pas la conférence, c'est pour présenter la vision. Nous organisons une conférence parce que nous avons un message. Nous avons des objectifs que nous voulons atteindre. Par exemple, un, vous devez commencer d'abord ici. La réunion dont vous avez proposé, la conférence que vous voulez, que nous voulons organiser. Quels sont les objectifs que vous avez énumérés, que vous allez atteindre dans cette conférence? Après, cette vision-là, il viendra maintenant lors d'organisation. Combien les orateurs, comment vous faites ça, c'est dans le cadre d'organisation. Mais d'abord, la vision. Déjà, vous avez besoin d'avoir que cette année, la vision que vous voulez poursuivre dans cette conférence, le message sera ça. Bon, les gens de l'Ouzo francophone ont dit que, je vous ai présenté, qu'ils ont un message, leur message sur l'Église. Mais le message sur l'Église est global. Le problème qui est là, le papa Jabé, il doit se définir. C'est lui qui a le coup. Lui qui doit se définir. Même là, j'avais dit, moi je suis vice-président, mais c'est lui qui s'est défini parce qu'en même temps, le représentant de l'USDI ici, par rapport à cette action, parce que nous avons dit nous sommes déjà bien organisés, mais au même moment, il est aussi le représentant régional de l'Ouzo. Parce que l'Ouzo ne fonctionne pas avec le désordre. C'est une institution qui a été créé par nous tous, même si certaines dates n'ont pas parti, mais c'est pour nous tous. Donc la vision de l'Ouzo et notre vision, c'est toujours, je peux dire, la même chose. C'est seulement dans le cadre où une action est projetée, peut prendre la divergence et dire que non, nous, on fait l'évangélisation, et vous venez par exemple, la structuration de l'Église. C'est là seulement où il peut y avoir la différence. Donc, le papa Jabé est là. C'est-à-dire, en même temps, celui qui va rendre compte au président national de dire que non, en tout cas, cette action que vous avez voulu projeter, ça ne passe pas chez nous parce que nous avons telle vision et telle quoi. Non, ça passe, mais nous voulons ceci. Nous voulons que dans les cas d'organisation, ça se passe comme ça. Maintenant, ici, ce n'est pas encore l'ordre d'organisation, c'est la vie d'abord. Et quand la vie est donnée, mais dans la vie, on ne peut pas donner la vie quand il n'y a pas des objectifs. La vie est simple de dire, nous voulons d'abord chez nous ici. Nous avons d'ailleurs la date a été première pour ici. Et ils ont ce centre seulement dans le programme. Ok, je crois que la vision est là. Nous avons bien dit que nous voulons attirer les hommes de Dieu, de pas de Wittenberg et d'Agnité. Par exemple, si lui il vient avec l'ecclésiologie, mais nous voulons attirer les hommes de Dieu, de pas de Wittenberg, la dignité, ces choses déjà bien dites. Voilà. Donc c'est clair, dans l'ecclésiologie, il y a la partie de l'unité, de sainteté, de Dieu était là. Mais c'est là où moi je veux que l'harmonie soit, afin qu'on puisse faire si, en même temps. Si on fusionnait, oui, mais la question n'est pas encore là de déterminer qu'il y a la fusion. On laisse d'abord parler. Quand il a donné l'idée, les gens doivent parler. À la fin, ils vont prendre la décision, fusion ou pas, fusion. Et après, maintenant, ils vont
vont clarifier si des actions, comment on va les projeter. S'ils refusent, alors il y a refus. Il y a d'abord les avis qui doivent se séparer. Parce que nous sommes favorables pour que ça soit pour national, et l'autre dit déjà avec le pasteur que ça soit pour la région. Donc on avance, nous voulons la région. Les avis doivent passer. C'est pourquoi j'ai bien dit que nous voulons. Le temps passe. Nous réunions en tour. Moi, je ne vais pas prendre du temps. J'ai compris les différentes thèses, les différentes réflexions. Bon, nous sommes vraiment dans le débit. Nous voulons mettre notre situation vraiment à être posée. Une fondation qu'il nous faut adapter tout d'abord. Bon, de mon côté, je pense que nous devons le faire simple, sans le fusionner. Voilà quelque chose. En résumé, toutes les pensées, toutes les idées, l'explication de la poste, ça serait mieux si on le fait simple d'abord ici. Bon, moi je. D'ailleurs, moi je. Dans 5 minutes, je dois partir parce que. Mon train, j'ai mon bus à 19h25. Non, je n'aurai pas du temps. Mais si je peux donner mon avis, moi j'avais que je peux m'associer à votre homme de Dieu qui me dit. Par rapport à. Fusion par fusion. Moi je peux dire. L'objectif ou la vision que nous avons, ou nous voulons atteindre par rapport à la conférence de juin, c'est l'unité des hommes de Dieu. Parce que il y a pas mal de hommes de Dieu à notre État qui ne participent pas à la réunion. Et autant d'autres qui s'abstiennent. Il faut maintenant comprendre les raisons pourquoi ils s'abstiennent. Donc, moi je trouve, pour moi, mon idée que d'abord, on atteigne d'abord notre objectif, nos objectifs, de ramener nos frères et sœurs, serviteurs, servantes, dans cette unité. Et si on les ramène et on réussit à les amener ensemble, c'est déjà une très bonne chose parce que c'est la vision de notre association. Et enfin, après, bon, s'il y aura l'enseignement qui peut être donné par rapport à l'éthologie, par rapport à l'Église, moi je crois que ça peut aussi, on peut aussi le faire après. Mais d'abord, l'unité, parce que quand les autres ne viennent pas, quand vous êtes là, mais autres, entre-temps, c'est notre objectif d'amener tout le monde. Moi, je crois que doit d'abord poursuivre cet objectif, premièrement, de ramener tout le monde ensemble, et après, bon, on peut parler de l'Église. Ok, ça c'est la vie du passé. Ok, donc le passé parle déjà. Moi, je vais donner mon avis, pas comme conseil, parce qu'on veut dire qu'il veut les choses comme il parle. Je suis d'avis, d'abord, Cette œuvre qu'on a commencé ici, c'est le noyau. Le noyau. Quand je vois comment fonctionne au niveau national, il y a d'autres régions qui n'arrivent même pas à réussir. C'est comme Christ qui disait aux disciples, que vous avez moissonné dans les champs que vous n'avez pas semé. Et après, ils ont compris que nous devons semer nous-mêmes pour que les autres viennent moissonner. Nous devons vraiment nous donner corps, esprit et âme pour cette œuvre ici. Parce que cette œuvre, je dis, c'est comme le Jérusalem. C'est comme vraiment la maison qui commence par une pièce et puis on élargit. Seulement que, si nous voyons, vu le besoin, les avantages, alors je pense que nous avons aussi le pouvoir de décider que l'association, la pastorale sache, parce que nous l'avons fait quand ils ont organisé, quand on a organisé d'autres réseaux là. Mon idée est comme ça. Organisons cette conférence, d'abord, premièrement, nous, mais nous pouvons dire au président, c'est une proposition, que nous ne sommes pas à mesure, vu les agendas des églises, vu le moyen, de pouvoir faire en sorte que cette année, que nous ayons des conférences, parce qu'il y a des conférences, on va inviter les mêmes personnes, et puis, c'est les mêmes personnes qu'on va inviter. On va faire encore le même dépense. Ce serait mieux peut-être pour le président, moi je pense, parce que quand je vois la vision, les besoins est tellement important, aussi ce que nous devons faire.
quand nous organisons nos conférences, parce que nous l'avons déjà fait à des reprises, nous avons organisé notre conférence ici, et puis ils sont venus aussi organiser avec nous. L'avantage d'organiser notre propre conférence ici, nous avons dit que dans la conférence régionale, c'est une occasion pour nous aussi, les hommes de Dieu, sous les hommes de Dieu, de pouvoir permettre aussi promotionner. Parce qu'il y a des conférences qui se font, qui se font régulièrement. Vous disiez, celui-ci a prêché, nous avons déjà prêché presque toutes ces conférences. Même si vous me disiez cette année, apôtre prêche, je ne prêcherai pas, je dirais non, il y a encore d'autres sociétés de Dieu qui doivent aussi accéder à pouvoir aussi apporter le message. C'est une plateforme non seulement pour les réunions, mais quelque part aussi pour promotionner les œuvres. Nous l'avons fait dans les veillées des prières partagées qui doivent veiller tout. C'est très important. Donc, quand nous organisons cette conférence cette année, c'est une occasion aussi de pouvoir avoir un plus grand nombre de serviteurs qui peuvent aussi prêcher au niveau régional. Mais quand on fait la fusion, quand on attend seulement, et ils viennent avec leurs orateurs. Ils viennent avec eux, c'est ça. Ils viennent avec leurs orateurs, souvent, je devais choisir un. Peut-être, alors, pour ne pas être trop égoïste, que Dieu aussi voit que nous avons de la compassion, et je parle clair, je suis là, c'est comme je me partage. Amen. On peut dire au pasteur Roger, j'ai compris le message de l'épisode que vous portez, mais je pense que ce serait mieux pour nous alors, si vous nous proposez, dire vous-même, quelqu'un vienne prêcher dans cette vision que nous devons prêcher. C'est l'unité. Et nous, on tire maintenant la partie de l'unité de l'Église, toujours dans cette année que je voulais entendre. Moi. Alors donc, on peut déjà penser qu'un des orateurs serait de l'Ouzo, mais les autres orateurs seraient d'ici. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus quoi que ce soit à débattre avec eux. Donc, on prend une partie du besoin au niveau national, et puis on prend les choses ici. Ça va faciliter les choses. Bon, c'est comme ça que moi, je vous propose, comme vous l'avez dit. Apôtre, c'est ça l'harmonie que je voulais entendre. Ok, c'est bon. Nous voulons avoir un accord pour tous. Qui sont pour et la... Et non, nous faisons nous, mais un des orateurs, c'est toujours nous. Lusophones. Donc mais, on reste nous. Mais on a besoin de ce message-là, bon. que le président ou bien le président lui-même apporte le message toujours dans les cadres ici. Ok, on reste comme ça. Donc c'est nous-mêmes, mais il y a l'orateur des. Un des orateurs va sortir là avec le message. Mais le problème en est, il m'a dit de changer la date. Moi j'ai dit en tout cas, on ne peut pas suite au calendrier que les hommes de Dieu ont présenté et la date qu'on a déjà arrêtée, on ne peut pas changer la date. Il y a d'autres hommes ici, ne viennent pas, il va changer. Bon, là c'est pour même montrer notre bonne volonté. Donc on arrête comme ça. Amen. Ok, je prends les secrétaires à noter. On avance. Et je crois, comme l'apôtre a dit, ce n'est pas seulement la conférence qu'on va faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des moments d'ensemble, par exemple la retraite, des veillées qu'on va faire ensemble. Bon, on a été réservé des dates parce que le début de l'année, il y a encore des serviteurs dédiés qui n'ont pas achevé leurs agendas. Et c'est pourquoi on a seulement des aspects de conférence et de la retraite. Mais 19h, c'est encore, pasteur. Non, moi je vais d'abord chez les chéris. Hein? Parce que je vais prendre le bus à Fritz-Chafé. On part de mon mec. Parce que le matin, je suis venu là. Il y avait quelque chose à voir. Bonjour, nous avons le billet. Donc le dernier bus à 19h25. Okay. Ici, jusque chez lui, je crois que c'est 2h du temps. Passer par Fichard. Oui, je suis venu par là parce qu'il y avait des trucs à faire là. Comme ça, on est venu ensemble et puis après, je vais venir pour prendre le bus. Ça le problème. Je croyais que si on commençait à 14h, jusqu'à 16h30. À 14h, bien sûr, vous êtes aussi arrivé en retard. Donc, je m'excuse. Donc, si on peut m'envoyer le protocole de la suite. Alors, il y a des lieux, ou bien des maisons de retraite. Donc c'est payant. Si par exemple on peut être d'accord nous tous, nous proposons
occupé à l'idée de l'endroit où les prix aussi raisonnables. Si nous voulons atteindre la prière, si le message, mais ça, si j'ai des prières, je vais prier, ça dépend de l'organisation. Mais on avait fait que le vendredi, les gens ont travaillé, ils sont arrivés à 20h. 20h, il y a des gens qui ont travaillé, puis on arrive à 20h. Puis le programme a commencé, il y a une intervention 21h, puis 22h, 22h30, et fin. Donc, il est matin, on a pris le petit déjeuner parce que c'est déjà la météo. C'est dans Jugendberg. Le matin, on s'est réunis, prière, après déjeuner, après le premier intervenant est venu, deuxième intervenant, troisième intervenant, débat, il y a eu débat, puis conclusion. Et puis, nous sommes rentrés le samedi soir, c'était bien avant, à 17h, c'était bien terminé. C'était enrichissant. Pourquoi? Parce que l'avantage d'abord, c'est le temps. Parce que souvent, quand nous réunissons dans nos actions ici, nous n'avons pas ce temps. Et là, nous avons le temps. D'abord, il y a le message, il y a le temps où les hommes peuvent parler, il y a le divers. Il y a une idée là-dessus. On propose quelqu'un qui connaît l'endroit. Parce que j'avais déjà sollicité chez nous, dans notre église, les méthodistes seront un endroit comme ça. Mais il faut demander une année avance. Et il m'a dit que c'est fort déjà. Chez nous, tous les pays, on n'a pas de problème. Là où nous faisons les pays, nous verrons comme ça. Après 2 mois, quand même, on me forme, nous verrons dans le passé, pour les verrons pas de problème. Ici? Pas ici, là-bas. On peut y arriver le vendredi soir, les endroits dormis. Oui, oui. C'est comme ça. Il faut comprendre. Ici, je pense que nous devons, je dois vous aider. Nous voulons aussi le confort. Par exemple, moi, je passe plus mes retraites comme auparavant. Vous savez, quelque part, peut-être à l'église, il y a des circonstances, je vais à l'église, mais je préférais, ce n'est pas à cause d'avoir l'argent, mais c'est au moins aussi, on me l'a enseigné, mais je ne l'ai pratiqué pas. Quand je l'ai pratiqué, j'ai découvert. Ce que nous voulons faire ici, admettons que nous sommes venus aujourd'hui, dans cette réunion, ok? À quelle heure nous sommes? Là, on dit le repas est terminé. On va manger. Comme souvent, les plans, les forts. Après, on revient. On continue notre thème. Le soir, on fait notre petit culte, on prie, on dort. Demain matin, nous nous réveillons, nous venons prier. Après, tout est là. Vous comprenez ce que je voudrais dire? Tout est là. Avec un prix dérisoire, c'est-à-dire un 30 euros, 30 euros peut-être, souvent 30 euros, 40 euros, ça ne dépasse pas les prix là. On boucle bien là-bas. Mes frères, les femmes, avec leur mouvement actuel, arrivent à réunir des actions très extraordinaires. Les femmes là que vous avez que nous avons engagé les actions, ils ont déjà payé. Ils ont déjà payé, mais les pasteurs font sortir 50 euros. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les hommes en général. Ça fait tout. Les hommes en général. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? C'est ça, mon cher. C'est ça que je veux dire. Des choses extraordinaires. Peut-être pour le veiller, lui, là, comme il y a le roi, là, c'est autre chose. Mais pas pour la retraite, ce qui nous parle.
Je m'engage pour cela. Ok. Je vais chercher une place. Mais le problème maintenant, je vais dire maintenant les cadres organisés, il faut au moins chercher aussi un droit central au moins. Ouais, ouais. Parce que sinon, on les ramène un peu loin. C'est loin pour toi, mais on doit chercher un endroit qui doit au moins être facilité à réunir les gens. À réunir les gens. Pour la première fois, je dirais, parce que nous n'avons pas des absences. Les gens terminent le travail à 17h. Mais les lieux, donc les, si c'est facile, une veillée, le passé Massoua, donc. Quel endroit, quelle place après ville. C'est toi qui vas aller. Je monopolise pas la parole. C'est toi qui vas aller. Imagine-toi et cherche. Parce que moi, je sais que nous, à Bordel, on a beaucoup de gens. Ah, au moins, à Bordel, on a beaucoup de gens. Ça sera aussi mieux parce que la porte de se déplacer comme. Non, il y a aussi à Front. Il y a encore des fiches là. Il y a aussi à Blaberen, je n'ai jamais demandé. Il y a aussi à Blaberen, même sa fille. Non, pas tout à chaque ville, il y en a pas. Le problème en est le temps aussi, c'est la demande, c'est ça. C'est ça, je n'ai jamais demandé. Vision, en son terme, non, c'est seulement j'aimerais qu'on puisse, nous, en tant que les hommes, on puisse aussi avoir notre département et faire valoir ce que Dieu a mis en nous. Vous voyez, quand on parle des femmes, nous voyons les femmes qui bougent, les femmes qui sortent. Quand on appelle les femmes à se réunir, elles sont là. Mais quand on appelle les hommes, on ne voit personne. Même dans nos églises, par exemple, le vendredi passé, ou non, le samedi, on avait dans notre église réunion des femmes et réunion des hommes. Il y avait tant de femmes qui étaient là, mais on n'avait que 5 personnes, 5 hommes. Donc, j'aimerais qu'on puisse réveiller les hommes et dans nos églises. Si on est ensemble ici, c'est qu'on puisse apporter des réveils dans nos églises. Les hommes n'ont qu'à se réveiller. Parce qu'on a aussi beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement prêcher les dimanches, évangéliser, non. Mais on doit se connaître. On doit s'unir en tant qu'homme. Peut-être il y a, pas peut-être, il y a quelque chose qu'il y a en toi que moi je n'ai pas. Et quelque chose qu'il y a en moi que tu n'as pas. Je dois apprendre de toi, je dois recevoir de toi, tu dois recevoir de moi. J'aimerais qu'on puisse, nous les hommes, choisir un jour. C'est ça, on vous a donné cette responsabilité. Oui. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Quel est le plan? Quelle est la vision? Pour qu'on puisse vraiment commencer à. Comme les mamans. Les mamans, on les a donné la responsabilité. L'idée, c'est que nous les hommes, on puisse se réunir. Et chacun doit apporter quelque chose. Quelque chose à la pâte. Ce n'est pas. L'idée, ça, c'est l'idée. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'il n'y a pas un jour que tu veux que le papa des se réunissent. Voilà, c'est ça ce que nous voulons. Oui, j'aimerais, c'est ce que je dis, j'aimerais qu'on puisse se réunir un jour et qu'on parle de n'importe quoi. Voilà, mais du tout, de tout sauf rien. De n'importe quoi. Parce que, vous saviez. Oui, là d'abord, il y a quelque chose. Bon, comme le pasteur a dit, on va se réunir. Mais on ne va pas imposer une vidéo ou un thème. On va essayer de recenser l'idée de chacun. Les thèmes autour duquel on peut venir. On peut mener des discussions. Par exemple, entre nous les hommes, quel problème récurrent se pose dans nos foyers? Comment est-ce qu'on peut dire? Par exemple, le frère Félix parle de problème de finances. Mais on ne va pas commencer tout de suite là. Non, nous sommes en train de vous demander comment concrètement. Parce que si on commence là, les petites choses comme ça font et ça sera difficile d'atteindre l'objectif. Voilà. Et il est tout d'abord question de réunir les hommes. De se concerter et qu'il soit aussi aidé par quelqu'un qui ne soit pas tout seul
Et ce jour-là, on va réunir les papas, hein, les hommes. On choisit aussi un homme qui va l'aider. Et par là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Là, parce que c'est important déjà de se réunir, d'être ensemble. Bon, je n'avais pas compris ça comme ça. Bon, dans ma tête, j'ai compris. Est-ce qu'il a déjà quelque chose à proposer? Et c'est ça, c'est qu'il voit. Oui, il est censé de respecter l'idée qu'on lui a donnée. Voilà. Maintenant, le comité dit ceci. Quand on t'a dit, on t'a choisi, ma chère pasteur, tu es allé, tu as réfléchi. Tu nous donnes maintenant, cher comité, je suis allé et réfléchi. Voici ce que je vous propose. D'abord, un, notre première réunion peut se situer à tel niveau-là. Bon, quant à l'organisation de cette réunion, j'ai besoin d'aide, comment vous pouvez faire. Ou bien alors, vous m'orientez, comment je peux faire. Mais d'abord, êtes-vous prêt? Oui. Quand? C'est la première des choses, c'est ça. Quand ils ont dit aux mamans que faites ça, les mamans sont allées premièrement d'abord choisir la date et la stratégie. Voilà. La réunion, c'est bien, mais la stratégie, date, stratégie. Je vais ajouter là quelque chose de très important qui peut nous aider. Prendre l'exemple et dire, souvent on dit, ah, l'église là, ils font ça bien, ils font ça. Mais le problème, nous ne nous posons pas souvent des questions. Qu'est-ce qu'ils font pour que ça marche? On voit seulement les mamans motivées, et les mamans font ça. Mais qu'est-ce qui fait que les mamans arrivent à se mobiliser, à réussir? La réponse que je veux vous donner. Parce que les mamans, quand ils font leurs choses, ils savent, elles savent très bien, ok, et définir les besoins et proposer les solutions. Parce que pourquoi les hommes sont difficiles à se réunir, même dans tout ce que je disais, vous savez, c'est pas les rencontres des hommes, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Pourquoi? Parce que les hommes ne savent pas parler d'une manière très claire, et ils n'ont pas, je dis, si manque l'instinct, ils ne sont pas bien préparés à pouvoir parler clairement des besoins et des réponses. Vous voulez organiser les papas, mais quels sont les besoins réels dans la vision, par exemple, nous voulons parler de la vision que nous voulons faire. Sinon, moi je te conseille, mon frère, consulter les mamans. Mais on ne va pas consulter les femmes. Non, ça jamais. On ne va pas consulter les femmes. Non. On va consulter nous les hommes. Appelle-moi. Sinon, on sera la queue. C'est ça, je viens les hommes. Mais moi, avec mon immunité, j'essaierai de dire qui dirige ma maman. Avec la sagesse, je vais savoir, est-ce que ça marche? Ça doit marcher aussi chez les hommes, sans consulter les femmes. L'idée de chacun, va faire à ce qu'on avance. Il y a la boucle de papa, de maman et de femme. Moi, je vais expliquer, donc je vais dire par rapport à l'idée que le frère a poussé. C'est comme s'ils n'ont pas encore les idées propres. Pour ces comités, ce que vous avez à faire comme les objectifs, c'est d'abord, pour moi, un conseil de consulter d'abord les églises. Hein, c'est là qu'ils sont chargés pour les papas. Hein. Il y a toujours un responsable des papas ou bien des responsables. Ces gens-là, tu les consultes. Tu organises d'abord au niveau de Baden-Württemberg. Le message que tu vas aller donner, c'est ça qu'ils vont donner aux autres pour les mobiliser de venir s'il y a des telles rencontres. Il faut d'abord commencer, parce que si vous appelez seulement les papas comme ça, qui est le débit, il y aura un débit. Il faut d'abord commencer par les responsables, à donner les idées. Les objectifs, Mais il faut comprendre aussi quelque chose.
je ne suis pas le président des hommes. Hein. Ça, je suis seulement parce qu'on m'a donné comme l'initiateur. Mais je ne suis pas. Non, c'est, quand on est ensemble, c'est là où on va choisir celui qui va, celui qui sera le président des hommes. Non, pas moi. Non, moi, pour le moment, j'ai avancé l'idée que c'est bon parce que les hommes aussi s'unissent. Mais je ne suis pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas le président. Moi, j'aimerais qu'on organise et c'est là où on va choisir celui qui sera le responsable des papas ou bien des hommes. Propose une date alors. Bon, pour une date, ça serait aussi un samedi. Oui, ça serait un samedi. Parce que les mamans sont à Fribourg, hein. Oui, la consulter. Ok, d'accord. Ok, mais il y a... Mais la fois passée, c'est problème de communication. Problème de communication. Ils ont fixé la date quand ils étaient à Ourme. Oui, elle savait qu'il y aura la réunion le 3 des femmes. Elle m'a même fois posé la question. Est-ce que nous allons venir aussi ici? J'ai dit, je ne sais pas. C'est quand j'ai appelé le pasteur et Dali, c'est lui qui m'a dit. Non, que la présidente, c'est déjà là. Ce n'est pas une affaire de nom. Ça serait mieux aussi qu'on puisse écrire aussi des lettres. Donc, c'est elle qui est la responsable des mamans. Et va les enfants. Ok. Non, peut-être. Merci. Elle s'est commis avec les WhatsApp là, je crois. Tu me donnes les coordonnées des mamans, comme le pasteur a bien aussi. Le mois d'avril, si c'est possible, le 21, consultez vos... Le 21, c'est pas un samedi. C'est un samedi, le 21 avril. Le 21 avril, c'est un samedi. S'il te plaît, pour une bonne compréhension, la répétition. La date, c'est... Le 21 avril. Bon. Je ne sais pas pour le moment si c'est aussi possible à Blaberel, mais je ne sais pas si quelqu'un peut proposer quelque part, parce que c'est là où je suis à Blaberel. Mais tu es né là-bas, mon frère. Oui, c'est déplacé. Pourquoi ça ne passe pas? Oui. Les secrétaires montrent qu'on va faire des lettres dans nos églises. Oui. Donc, consultons-nous et puis on va voir le 21 avril. Et on va choisir cette date. Et puis nous, les hommes, on va motiver. C'est aussi, même si pour le moment, on n'a rien à discuter, mais c'est bon à ce qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et discuter. C'est là où on va aussi se connaître. C'est aussi important. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'était le point 5, n'est-ce pas? Voilà, on est dans le finance. Il y a le... Non, c'est bon. C'est le secrétaire, là. Oui. Ok, il y a le finance. Le financier n'est pas là. L'ancien... Bon, l'heure.
L'heure aussi. 14h. Oui. Le samedi, il y a toujours des retards. Donc on fait 15h. Parce qu'il dit, bon, il parle. Non. Moi j'ai dit, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui terminent à midi, il y a des gens qui terminent par exemple. Sinon, 14h c'est bon quand même. 14h c'est bon, parce que si vous mettez 15h, il y a 16h là, 17h. Mais on doit parler aussi de ça. Oui. Vous allez parler, mais il faut que vous réunissez. Oui, 14h. Comme l'apôtre a dit, il n'y a pas la honte de demander au maman. Non, ça non. On va, nous-mêmes, on va se consulter. Sinon, les pauvres vont nous dire oh! Et ils ne nous ont pas consultés, après nous les consultons. Ok. Parce que l'on n'oublie pas le coronel des mamans, il faut me le donner. Oui. Maman peut être responsable des mamans. Ok. Ok, secrétaire se noter. Ok, on avance les finances. Comme le financier n'est pas là, il nous a donné le compte rendu. Ça à la tête. J'ai oublié.